Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Vidéo information concernant la globale et la version Jap. On commence par la globale les amis. Gogeta 4, on a eu le data DL, donc on a la date et l'heure précise. Lundi 7h du matin, le portail sera disponible. Donc, bon, je vais pas stream le matin parce que bon, il faut quand même que je me repose un petit peu. 7h ça fait vraiment tôt. Hein, quand c'était 8h, 8h30 ça va, mais 7h ça fait un petit peu mal. Je vais pas stream pour cette fois-ci, mais bien sûr il y aura la vidéo en vocation. Bon, vers les coups de 10h, hein, avec le montage qui va bien. Pour la première session d'invocation, et si, bon, si on braque, c'est bon, je veux pas de doublon, moi, tu me le donnes, c'est bon. Si jamais ça tombe pas, le soir, on ira en stream invocation, et je vous le dis, je le veux. Clairement, Gogeta 4, là, c'est vraiment le perso que j'attendais, donc je le veux, absolument. Voilà, donc, lundi, 7h du matin, pour ceux que ça intéresse. Le portail, je le rappelle, bon, on l'a déjà vu un milliard de fois, je vous le remonte très très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas encore vu. C'est un portail qui va qui va satisfaire certaines personnes. Voilà, me concernant, le portail est moyen. Alors bon, j'ai que 3 cartes à 100%, Goku, Omega, Gogeta, donc les 5 cartes qui sont là, je les ai pas à 100%. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Après, c'est du cas par cas comme d'habitude les amis, hein, les portails. Certains, ils vont le trouver incroyable, certains ils vont le trouver vraiment pas ouf. Bon, c'est comme d'habitude, donc Kefla, j'espère qu'ils vont la remplacer, je dis ça pour moi, pour certains, ils voudront pas, mais comme on l'a vu, enfin, l'a revu récemment, peut-être un autre personnage à la place. On verra bien, en tout cas, je veux Gogeta, donc on va tenter, évidemment. Vous pouvez même virer Gohan Goten et on repasse à cette carte, moi ça me va très très bien. Bon, on verra bien, mais bon, je cache pas que je me dis peut-être que le portail ne va pas changer, rendez-vous lundi. Concernant la version Jap, il y a des DS qui vont tomber. Il y a des DS qui vont tomber les amis, déjà les DS du stream, le fameux stream de Bandai Akatsuki, 66, j'ai même vu 72 sur la, enfin sur Twitter, je sais pas si c'est 66 ou 72, moi je me suis arrêté à 66 DS, ça va tomber normalement d'ici demain, donc vous en faites pas, moi on les a pas encore eu, hein, c'est normal, donc 66 DS qui vont tomber, c'est assez cadeau, et comme vous l'avez très certainement vu, le top 1 est tombé. Le top rentable est tombé directement, 30 DS, hein, à peine quelques heures après le début des portails. Et à mon avis, il y en aura certainement un autre, hein, qui sera bien plus généreux, genre peut-être 100 DS. Hein. Souvent, c'est ce qui se passe. Donc on verra bien, mais en tout cas, ça promet. Hein. Ça promet de rincer bien comme il faut. Hein, ça va être plutôt pas mal. Un petit tour aussi côté portail, 200 DS, enfin c'est même 250 DS et 66 tickets. Bon, je fais une petite vidéo vite fait sur l'émission pour que ce soit clair et net pour toute la célébration, mais on verra ça demain. Pour l'instant, on peut pas récupérer les 66 tickets, je pense que tout le monde a compris, hein. Pour l'instant, on peut pas. Mais juste concernant ce portail, ce que je voulais vous dire, bon déjà avec les DS, c'est vous qui voyez, mais quand t'as les portails anniversaires à côté, bon, un peu difficile, hein, même si en soi la multi est intéressante, certes, mais moi je la ferai pas, hein. Je vous le dis direct, je ne la ferai pas. Concernant les LR, jusqu'à où ça va, c'est ça que je voulais vous montrer. Et bah en fait, jusqu'à Thalès. Donc en fait, y a tout. Il y a tout en fait. On a tous les LR, donc vous pouvez vraiment choper du sale. Après, je sais plus, là on n'a pas le détail du pool garanti, mais je crois que par contre le pool garanti il est très très large. Je crois qu'il y a juste peut-être pas les premiers, et encore je suis même pas sûr, mais le pool est extrêmement large. Donc c'est pas comme, vous savez sur le step up le pool était très réduit, mais là il y a quand même beaucoup de LR hein, dans le slot garanti. Donc bon c'est chaud quoi, si t'as un récent t'es refait, mais si t'en as un qui est très très ancien. Bon, ah voilà, c'est pas fameux, donc good luck à vous. Les tickets normaux, vous savez les tickets SR minimum, eh bien on a quand même pas mal de LR hein, donc on n'a pas les tout derniers, mais ça va jusqu'à Vegeta 11, mais enfin on n'a pas Thalès quoi, on a pas Thalès. Mais je crois qu'il y a même Jiren, hein. Ouais Jiren il est là, hein. Goku, enfin Goku Migaté, Vegeta Ange. Il me semble que l'année dernière il y avait moins de LR que ça, enfin moins récent. J'ai un doute, mais franchement c'est pas mal. Donc là sur les tickets normaux, si vous tapez du LR, et bah GG à vous les gars, parce que ça fait plaisir, clairement c'est magnifique. Bon et enfin vite fait pour finir, je vous montre ça pour la passion, les artworks SSR, TUR, LR. Des nouveaux personnages, enfin des nouveaux LR en HD, regardez ça les gars. Regardez ça.
Le lien est dans la description hein, si vous voulez récupérer tout ça. Merci à Kuwa, notamment ici qui a fait les rendus HD. C'est juste sublime. Hein, regarde, pff, le TR de Bigaté. Incroyable. Voilà. Une dinguerie, les gars. Une dinguerie. Donc voilà tout pour ces petites informations. Donc Gogeta 4 sur la globale. Je suis tripe, hein. Là, l'anniversaire, c'est sûr, la hype est présente, mais bon, mon compte global reste le principal, et Gogeta 4, je le veux. Et puis, sur la Jap, on continue de se faire rincer. À ce sujet, demain, on fera un cycle sur Vegeta Evolution, LR. Du coup, avec les DS du stream, le top 1, tout ça, j'ai pas encore fait le boss rush. On pourra faire un cycle, on espère dropper. J'ai pas Vegeta 4 LR, j'ai pas le nouveau forcément, j'ai pas encore invoqué dessus, et j'ai pas SV. Donc si j'ai un des trois, pour moi, c'est super cool. Donc j'espère qu'on aura encore un petit peu de chance, les amis, sur le portail de Vegeta. Et puis après, je pense que je vais commencer à paquer. Pour la suite, on verra bien. On est qu'au début de la célébration, il y a encore le temps. Donc ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez réussi à dropper pour ceux qui jouent à la Jap. Le petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut !